Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les achicotés, oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les achicotés, oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les achicotés, oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les achicotés, oh les. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les achicotés! Cet homme-là, vous voyez là? Énorme! On est passé de Florian Sotoca à Florian Lionel Diego Armando Cristiano Florian Sotoca! Mais c'est énorme, Florian Sotoca, qui nous a fait comme match. C'est incroyable. C'est incroyable. Un but de passe décisive. Mais ce mec-là est en train de fermer des bouches à beaucoup de gens. Il a été critiqué en début de saison, Florian Sotoca. Il a été critiqué en conférence de presse. Il a dit quoi? Il a dit, il faut que je sois plus tueur. Et ben là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est en son image de son personnage et à l'image de son jeu, tout simplement, que ce soit au pressing, que ce soit offensivement et défensivement. Florian Sotoca, merci Flo. Je t'aime, mon Flo, et tu resteras à jamais mon idole. Merci Florian. Les statistiques de ce match, 60% possession de balle pour le Racing, pour les Marseillais, à 40%. Pour le Racing, 13 tirs, 4 cadrés pour les Marseillais, 2 au fond du filet, un doublé de Dimitri Payet. D'ailleurs, Payet qui a fait une excellente première mi-temps, son coup franc, le coup franc de Payet, énorme, tu ne peux rien faire sur ce coup franc à Payet. Et puis le penalty, pour moi, il était logique. 13 tirs pour le Racing, 5 cadrés, 3 au fond du filet. Deux cartes jaunes pour les Marseillais, un pour le Racing, sanctionné par Michael Lesage. Wesley Seid, 552 passes pour les Marseillais, 361 passes pour le Racing. La Copo. Mais avant de parler de la composition, les supporters marseillais, nos ultras, je vous félicite. Mais avant de dire ça. Clément! 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 Et oui, on pense fort à toi, nos ultras et les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc merci à vous pour l'ambiance. C'était juste exceptionnel de ce qu'on a vécu ce soir. La composition qui a été annoncée par Francaise, 3-5-2, Jean-Louis Lucas. Mais Jean-Louis, tu nous as fait un match exceptionnel sur l'arrêt de la tête de Bamba Dieng. Et puis, sur cette frappe de Gerson, où il met Gerson, il met une mèche, mais une reprise. Et derrière, t'as une main ferme de la part de Jean-Louis Lucas, exceptionnel. Son match de Lucas, son but, il peut rien faire. Le coup franc, il ne peut extrêmement rien faire. Le coup franc de Payet, il est bien tiré. Et puis le penalty, c'est qui tout double, les gars. Mais pour moi, je ne lui en veux pas, Jean-Louis Lucas. Donc Jean-Louis, il ne sera jamais notre numéro 1. Que le sur Twitter, j'ai vu qu'il a été vu cœur Farinez. Mais pour moi, Jean-Louis Lucas, il est là, il est là, Jean-Louis. La défense, Medina. Hermano, un match exceptionnel. Pour moi, ça a été le meilleur de la défense centrale. Il a réussi à bouger Under Bamba Dieng. Mais pour moi, Medina, que ce soit dans la récupération de balles, dans sa protection et dans ses relances, ça a été propre, propre, Facundo. Ensuite, Christopher Wu. Christopher, 30 premières minutes, excellent.
que ce soit dans les duels, dans ses interceptions et dans ses relances. Puis après, juste avant la mi-temps, avec ce, pour moi, il y a contact entre Dieng et Wu. Mais pour moi, je ne lui en veux pas à l'arbitrage. Je ne lui en veux pas, absolument pas. Pour moi, je suis là en soi, je suis logique. Et pour moi, il y a bien penalty. J'ai vu trois, quatre fois avant de faire le débrief. Et pour moi, il y a bien penalty pour l'OM. Grady, ce n'est pas son meilleur match à Jonathan Grady. Le coup franc sur Payet nous a mis mal. Ça a relancé les Marseillais pour moi. Grady, ce n'était pas son meilleur match. J'étais déçu de sa part. Mais pour moi, c'était un soldat et un guerrier. Ok, il est sorti à la 70e minute de jeu. Mais Jonathan Grady, il est là et il pèse. Donc pour moi, Jonathan, je suis fier de toi, de ton match, malgré que tu as eu des difficultés. Et ça arrive, car un défenseur ou un joueur, ben dans le jeu, il y a des difficultés. Pour moi, je ne lui en veux pas à Jonathan, malgré qu'il a fait un match que ça n'est pas son meilleur match. Nos pistons. On va commencer par celui que j'ai mal trouvé, que tu as été mon joueur, que j'ai pas trop aimé, c'est Denver Machado à gauche. Il m'a beaucoup déplu, que ce soit dans l'animation offensive, dans l'animation défensive. Il s'est fait pris de vitesse par Under, par Dimitri Payet. Donc pour moi, Machado, j'ai pas trop aimé. Et quand il s'est fait remplacer par Klos, on l'a vu tout de suite que bah, le niveau il était carrément au-dessus. Jonathan Klos, son entrée. Voilà, et qu'il entre en entrée, il récupère la balle, il voit Florian Sotoka sur son côté, il le centre. Donc Jonathan, une excellente rentrée, il a bien pressé aux Marseillais, à la défense marseillaise, qu'on leur a mis beaucoup de problèmes offensivement. Donc bonne rentrée de Jonathan pour son anniversaire. Mais alors là, à droite, mais les gars, il s'est passé quoi? Pire Missilo Frankowski. Mais c'est quoi ton but de malade? Tu fais une talonnade, bim, t'élimines un Marseillais. Mais ton but, ton enroulé pleine lucarne à Lopez. Mais mon gars, mais quel bijou! Mais quel but de Frankowski, ce Polonais, ce... Celui qui est l'auteur de 3 passes décisives à 2 buts. Mais quel génie! Mais merci Pouille! Merci Gilles Dolphy! Merci Hugo Orlan pour l'avoir recruté! Que cet homme, je ne connaissais absolument pas du tout, mais Frankowski, bordel! Je suis devenu fan de lui! Mais il est totalement incroyable! Que ça soit défensivement, que ça soit offensivement, et surtout que j'aime chez lui. Il dort ses appels de balles. À chaque fois qu'il y en a un appel de balles, Frankowski, il est toujours seul. Surtout en tant que mi-temps, où il fait des appels, il est toujours tout seul. Que ça soit en demande de balles de vous, en appel de Medina, de Doucouré, de Fofana, il est toujours à la réception d'une relance, et il va avec sa balle. Il emmène son adversaire à provoquer, aller chercher un but. Et ce qu'il a fait, le Frankowski, et c'est le hommage pour moi. Nos mieux terrain. C'est cool, Fofana. Mais c'est cool, les gars. Vous vous rêvez sur ce mec-là? Oui, c'est cool, il y aura un Racing Club de Lens. Je le répète, c'est cool, Fofana est encore au Racing Club de Lens, bordel. Mais quel joueur! Mais c'est exceptionnel, ce match! Ce mec-là, il a des cuisses, t'as peur. T'as des cuisses, t'as peur. Il est exceptionnel, Seco. C'est quoi ce match encore? Il récupère des ballons. Il va devant. Il presse l'adversaire. Ce mec, c'est un chien en fait. C'est un chien sur le terrain. Il se bat. Il donne son sang. C'est un guerrier pour moi. Et lui, le mec-là, il a le maillot. Mais il le mouille. Il est sorti sur le terrain à la fin du match. Il avait de l'eau, et c'est ça que je vais voir à chaque match du Racing. C'est ça, la preuve. Merci, Seco. Merci, Seco Fofana. Masterclass, encore une fois.
Cheikh Doucouré. Bah voilà, Cheikh. Encore une fois, il a réussi à gêner le trio Gerson, Rongier et Pape Gay. Exceptionnel, Cheikh Doucouré, dans ses interceptions de balles, dans son pressing, dans ses relances sur Frankowski ou sur Machado. Quelque j'ai bien aimé, Cheikh Doucouré. Pour moi, ils ont tout fait un match exceptionnel. Voilà. Pereira da Costa en première période. Mais oui, Pereira. Mais oui, mais bien sûr que je l'ai aimé en première mi-temps. En seconde mi-temps, Pereira, on l'a un peu trop vu. Mais en première mi-temps, que ça soit dans son jeu avec Kalimendo, avec Flo Sotoka, avec Seko Fofana, David Pereira da Costa, c'est la jeunesse. Et qui dit la jeunesse, dit il a quelque chose dans son avenir. Dans son avenir. Et pour moi, Pereira, il faut prendre du temps avec lui, avec ce petit minot. Il vient du tour de formation. Et j'ai confiance en lui pour l'avenir. Et là, qu'on lui met maintenant, ça va lui mettre en confiance. Et moi, je suis content de sa prestation. Et surtout, de la part de Francaise, de l'avoir mis titulaire. Parce que Gaël Kakuta, il y avait quelques problèmes musculaires. Et ça, j'ai bien aimé de la part de Copo que Francaise l'a fait. Exceptionnel, Francky. Devant Kalimendo. Ok, il n'est pas décisif. Mais ce mec-là, pour prendre la balle, va dire. Parce que c'est compliqué de le prendre la balle à Kalimendo. Surtout en première mi-temps. Où le mec, il a la balle. Il dribble les défenseurs. Il est agile. Il est beaucoup plus interception. Pour l'intercepter, c'est compliqué. Surtout, il est intelligent, Kalimendo, et surtout, sa vitesse. Il a eu 2-3 situations où il devait prendre de vitesse Saliba, mais heureusement que Saliba a été là, parce que sinon, Kalimendo, il serait passé. Mais Kalimendo, un beau match, j'ai pas dit. Et à son mi-temps, encore une fois, pareil, donc je suis content de la prestation de la part de Kalimendo. Donc, et ça va venir, Kalimendo. Ça commence à se rapprocher pour moi. Donc magnifique match de la prestation de Kalimendo. Et puis après. Je t'aime. Florian, je t'aime. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, c'est mon homme du match. En commentaire, n'hésitez pas à vous dire qui est votre homme du match. Flo Sotoka, un but, penalty, bam, tu le transformes. Ok, il y a eu faut le truc vert là sur ta tête à Florian Sotoka. Les certains lasers, voilà, pareil pour Jean-Louis Leca. Et puis après, sur la passe décisive de Frankowski, dégagement de 6 mètres de Jean-Louis Leca sur la tête de Florian Sotoka qui trouve. Frankowski qui élimine le latéral droit du Marseillais. Et après, il fait un jet technique. Et après, il fait une enroulée incroyable. Puis après, Sotoka qui est à la hauteur, encore une fois, en tant que mi-temps, une passe décisive sur Wesley Saïd. Son centre est précis, qui trouve la tête de Wesley Saïd. D'ailleurs, son entrée. Incroyable entrée, mais Wesley, t'as failli nous coûter un but, t'as failli renverser le match, de s'en face à face, sur une belle passe en profondeur de la part de Gaël Kakuta qui a fait une très bonne rentrée. Et puis après, bah derrière, il s'est rattrapé. Ok, il s'est blessé en 2019, mais Wesley, un excellent trop cru de la part de Wesley Saïd, encore une fois. C'est ce joueur-là, il a déjà tout offensivement, il a de la vitesse, il est technique et surtout, voilà, il trouve sa tête, voilà, il a mis au fond du filet et Diego Lopez, il pouvait rien faire sur ce match, sur les 3 buts, c'est impossible qu'il les arrête. Donc, magnifique rentrée de Wesley Saïd. Et puis surtout d'ailleurs, Francaise, le coaching a été excellent de la part de Francaise. Il fallait attendre les 20 dernières minutes pour faire rentrer les changements. Et il les a fait pour moi au meilleur moment possible.
parce que je pense que Sampaoli a fait ses changements trop tôt. Il a fait trop tôt. Direct la mi-temps a repris. Il a fait direct ses changements. Et Franquette, il a pris le temps. Il a vu que les Marseillais, ils n'étaient pas dedans depuis qu'on a repris le ballon. Il a fait les changements et ça a tué le match, les changements de Franquette. Donc, excellent coaching de la part de Franquette. Surtout, les gars, l'an dernier, on a été promus, les gars. On a été un manque d'autonomie, manque de jeu, manque d'expérience. Et là, cette année, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même que l'an passé. On remet les mêmes ingrédients. On remet le même jeu pressing. On joue haut vers l'avant. On joue haut défensivement. C'est ça que j'aime, les gars. On prend trop de risques. Et ben c'est ça dans notre jeu de 3-5-2 de Franquaise. On joue au ballon. On revient derrière. Et bam, tu balances devant. Tu trouves les appels à profondeur de la part de Frankowski ou de la part de Jonathan Clauss. Et juste derrière, tu remets des ballons devant. C'est ça, notre jeu de Franquaise. Et ce que j'aime. On prend du plaisir à regarder chaque week-end. On pue notre football. Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Tu sens quelque chose dans l'animation offensive, dans l'animation défensive. Il a tout, en fait. C'est du cerise sur le gâteau. Voilà. Et à la fin, on peut tout remercier aux joueurs. Tout remercier au coach, tout remercier aux supporters d'avoir fait le déplacement. Félicitations à tous les supporters qui ont fait le déplacement au Stade Vélodrome. Je me suis régalé devant ma télé. C'était exceptionnel. J'ai eu des frissons avec les supporters marseillais et puis même de la part de nos ultras. Donc félicitations les Marseillais et surtout pour ce match. En seconde mi-temps, les Marseillais, on a eu chaud sur la tête de Bamba Dieng, pas de Jean-Louis Lequin, sur la frappe à poteau de Under, qui trouve la barre transversale. Et puis, la frappe de Paul Lirola, qui trouve le frôle du poteau. C'était un match avec autant d'intensité. Il y avait du jeu. Voilà, il y avait du football. Il y avait du football, la même que je vous avais dit, en avant-match. Donc voilà, c'est merci pour ce match. J'ai passé une excellente week-end, excellente soirée. Merci les Marseillais, merci les Lensois, merci. Et surtout pour mon prono. Et j'ai dit quoi, 3-2 pour le Racing. Et ça a payé 3-2 pour le Racing. Bon voilà les gars, je ne sais plus quoi dire sur ce match. J'ai plus de voix, tellement qu'à la fin, je me suis tout donné. Quand il y a un match du Racing Club de Lens, il faut toujours se donner devant ta télé. Il faut toujours chanter, il faut toujours encourager ton club, ton équipe. Et voilà ce que j'ai fait. Malgré que j'ai plus de voix, je le fais avec vous. Parce que moi, ce club-là, je suis fier. Il me rend heureux chaque week-end. Et à l'image, on est deuxième. Derrière les Paris Saint-Germain, avec 15 points. C'est exceptionnel. Voilà, un début championnat fantastique, fabuleux. On bat l'AS Monaco. On gagne le derby. On gagne la première équipe à s'imposer au Stade Vélodrome. C'est juste exceptionnel. Donc voilà, je ne sais absolument plus quoi dire. En commentaire, votre débrief. Et puis surtout, votre homme du match, que vous avez pensé de ce match. Voilà là, les amis, je pense que j'ai absolument tout dit. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker quand même. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous pour vos soutiens. Je tenais à remercier aux supporters marseillais et leurs soins de m'avoir envoyé des photos et des vidéos de l'ambiance, du match, de l'après-match, de l'avant-match. Donc voilà, je remercie à Damien pour son live avec toi à deux en appel pour l'ambiance de l'avant-match. Donc voilà, je remercie à Amaury, leurs soins et Fer d'avoir à m'envoyer des vidéos pareilles, même en story. Donc voilà, donc merci, je vous fais un big up. Une big up aussi à Steve, supporter Marseille, qui a été à l'OM. Malheureusement, il a vécu la défaite, mais on se retrouvera bientôt avec Steve, supporter Marseille, pour le débrief ensemble dans la semaine qu'on débriefera à deux. Donc voilà, les amis. Mais je vous dis, passez une excellente soirée. Et puis n'oubliez pas, les amis, Lens soit un jour, Lens soit toujours.
fiers d'être leur choix et fiers d'être fans de Florian en tout cas. Ciao, c'était Thibaut. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.